Canada? Oui. Vous venez d'un bout de votre tournée? Oui. Vous avez été ici pour la pause? Ça, c'est ma pause café, c'est ça. Maintenant, selon j'aimerais que vous me disiez comment est-ce que vous êtes devenu facteur? Moi, j'ai décidé de faire application pour devenir facteur quand j'ai su qu'ils en prenaient des femmes pour devenir facteur. Parce que moi, j'avais toujours été élevée sur une ferme. Fait que j'aimais l'air. Fait que c'est pour ça que je voulais travailler en plein air. Puis il n'y a pas beaucoup de métiers où on peut travailler en plein air. Fait que j'ai fait application pour devenir facteur. Puis on m'a accepté d'après certains concours qu'il faut passer. J'ai réussi, j'ai à me classer. Mais vous étiez bonne en sciences pures, Solange. Qu'est-ce qui est arrivé? Ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait un an d'université. La deuxième année, je l'ai commencé, mais donc j'ai pas eu les moyens financiers pour pouvoir continuer. Fait que j'avais arrêté. J'ai travaillé un an. Je suis retournée aux études, mais en technique administrative. Qu'est-ce que ça prend pour être facteur? Faut avoir une bonne santé. Faut être assez fort physiquement. Faut avoir des nerfs d'acier. Parce que c'est difficile au début, parce que ça prend de la vitesse, mais ça prend aussi beaucoup de force, parce que les sacs ne sont pas toujours légers. Quand on finit notre route, oui, c'est léger, mais quand on commence, notre sac est pesant, parce qu'il y a beaucoup de circulaires à passer aussi, et pas seulement le canal. Combien il pèse le sac, selon vous? Oh, il peut peser entre 25 et 35 livres, je pense. Maintenant, le travail lui-même, là, qu'est-ce qu'il y a comme... On commence le matin. Moi, je pars à 6h20 de chez moi. Je vais reconduire les enfants chez ma gardienne. C'est peut-être ça, quand j'arrive ici, je vais chercher mon sac à mal en bas, dans ma case, où chaque facteur a une case. Là, je poinçonne à 7h. Je ramasse ma malle dans les casiers où les commis placent la malle par route. Ensuite de ça, je me ramasse à ma table où je classe ma malle. Chaque lettre est classée selon la route et le numéro de porte. Quand on a tout fini de classer nos lettres, on va chercher nos grandes enveloppes. Là. Ça, c'est les grandes enveloppes, les journaux, les revues, les colis. Ça, on classe ça avec notre malle. Là, il faut aller... Oh, j'ai oublié une chose. Avant de partir, il faut aller chercher nos enregistrés, nos lettres recommandées qu'on appelle. Ensuite de ça, quand on a fini vers 8h15, 8h30, on ramasse notre malle, on fait notre départ. Quand on a beaucoup de courriers, là, on fait nos relais. Ça, un relais, c'est déposé dans un sac avec une étiquette. On donne ça au commis camionneur. Lui, il va la mettre aux boîtes de relais. Nous autres, on part vers 8h30 ici. Là, on commence notre départ. Quand on a fini notre départ, on va à la boîte de relais pour remplir notre sac. C'est dépendant des journées. Il y a des fois, on a deux relais, des fois, on a trois, des fois, on a seulement qu'un. Quand on a fini notre AM, qu'on appelle, nous autres, on revient au bureau de poste. Là, notre AM est fini. On va dîner, on a, dépendant, une heure, une demi-heure pour dîner. À 1h15, on repoinçonne. Là, on fait encore le tour des casiers pour ramasser la malle. On la classe. Là, on ramasse notre PM. Ça, c'est seulement que la malle de l'après-midi. Parlons du plaisir à être facteur pour commencer. Comme plaisir, vous travaillez en public, même si vous voyez pas toujours les clients, mais il y a beaucoup de clients, vous les rencontrez. Fait que c'est du travail public. Ensuite de ça, ça prend beaucoup de diplomatie. Ça fait que, je sais pas, ça tient de bonne humeur. Moi, c'est ça que j'aime dans le métier. T'es toujours de bonne humeur. Faut que tu le sois. Qu'est-ce que c'est la diplomatie dont vous parlez, là? La diplomatie, ben, c'est si un client, il va te dire, je sais pas, moi, ma malle est en retard ou j'ai pas reçu mes chèques. Il y en a plusieurs, ça attend après ça. Ben, faut que tu saches répondre diplomatiquement en disant, ben, le chèque n'est pas arrivé, je peux pas vous le livrer. Mais il faut pas que tu lui envoies ça bêtement, comme il y en a qui peuvent faire. Maintenant, les difficultés principales? La température. Premièrement, quand il pleut, c'est très difficile.
Ensuite de ça, l'hiver, surtout les escaliers. Ensuite de ça, des fois, c'est pas toujours déblayé, les rues. Fait que ça, c'est assez difficile à marcher. Surtout quand ton sac est plein, là. C'est difficile de marcher dans les rues quand c'est pas déblayé l'hiver. Quand tu pleut, ben, ce qui arrive, c'est qu'il faut que tu protèges ta malle pour qu'elle soit mouillée, pour qu'elle soit trempée. Puis ça, c'est pas toujours facile. Les chiens, on dit souvent que les chiens et les facteurs, ça fait pas bon ménage. Ça dépend des chiens. C'est pas tous les chiens pareils. Il y en a des chiens, ils courent après nous autres, ils veulent nous mordre. Mais moi, j'ai pas trop de problèmes sur ça. La plupart de ceux que j'ai sur ma run, c'est tout le contraire. Ils sont contents quand j'arrive. Ils me reconnaissent. Maintenant, la clientèle, comment est-ce qu'elle a réagi aux femmes facteurs? La plupart aiment ça que ce soit une femme. J'ai même souvent des clients qui me disent nous autres, on a eu beaucoup de femmes facteurs parce qu'il y a certains parcours, c'est surtout des femmes qui les ont eus. Puis la plupart des clients aiment ça. Ils nous disent notre ouvrage est bien fait. De ça, on a toujours notre mal à temps. Malgré qu'avec les hommes, ils l'ont aussi. Mais je sais pas, c'est parce que c'est une femme, des fois, ils sont plus courtois. Et puis au travail? Au travail, au début, on a de la difficulté, des fois, à se faire accepter des autres facteurs, comme je parle. Mais je pense que quand ils nous connaissent, ils nous acceptent. Parce qu'ils voient qu'on ne fait pas ça pour enlever leur ouvrage à eux. Ce qu'on veut, c'est que travailler parce qu'on a de besoin, nous autres aussi. Ça fait que la plupart, ils nous acceptent. Maintenant, vous, est-ce que vous aimez ça, travailler dans un monde d'hommes? Moi, j'aime ça. Parce qu'il y a pas de... Il y a moins de jalousie. En plus de ça, c'est plus ouvert. Maintenant, l'entourage, là, vos proches, comment est-ce qu'ils vous ont vu dans ce poste qui est quand même pas un poste actuellement occupé par des femmes? Non, ça, c'est vrai. La plupart, moi, ils ont accepté. Ils étaient même contents. Même mon petit gars, moi, il va à l'école, là, il est en première année, puis il dit à tout le monde sa mère est femme et facteur. Quels sont vos loisirs? Bon, moi, dans mes loisirs, je m'occupe de mes enfants. J'aime bien être capable de les élever comme il faut. Ensuite de ça, je fais de la lecture, je fais du point de croix, je fais même du tricot à l'occasion. Ensuite de ça, avant, je faisais de la marche, maintenant, je la fais dans mon travail. Je fais plutôt, comme l'hiver, je vais faire du patin avec les enfants. Ensuite de ça, l'été, j'aime bien aller faire de la natation avec les enfants aussi pour leur apprendre à nager puis à faire du patin parce que c'est deux sports qui ont besoin d'apprendre. C'est bon pour la santé.